Mais tu l'aimes premier degré, Markem, c'est compliqué. Mais c'est le. C'est une fascination pour un personnage. Voilà, c'est comme ça. C'est pas genre comme Arthur où en fait, c'est juste une usine à cringe et il nous met pas bien, etc. Il me rend mal à l'aise. Markem, c'est beaucoup plus nuancé, quoi. C'est. Je sais pas, il dégage un truc qui est dans le malaise et en même temps, je sais pas, vous allez voir, enfin, c'est savoureux en fait, tout simplement. Tout le monde n'est peut-être pas sensible à ça. J'espère que vous allez apprécier autant que j'apprécie et que peut-être d'autres ici apprécient. Si vous ne connaissez pas, je suis sûr que peut-être plein de gens vous dites que vous ne connaissez pas, mais ensuite vous allez voir, vous allez dire, ah, mais oui, mais j'ai déjà vu à l'époque, mais oui. Et comme c'est un peu plus tard et que c'est plus l'année 2010, peut-être que vous aviez arrêté déjà de regarder la télé. Moi, c'est déjà dans les dernières années, je pense, où j'allais à la télé, où je pense que je l'avais même pas chez moi, mais que je suis tombé là-dessus en étant chez d'autres gens. Et on regardait ça. Et on riait, quoi. C'est vrai qu'on finira par les boîtes. Voilà, vous voyez, je suis éclairé de rouge, tout simplement parce que c'est le générique de Tous Ensemble. Et c'est parti. Ah, faut pas en mettre plus fort. Ok, let's go, let's go. Marc-Emmanuel est à Mansigné, dans le département de la Sarthe, à 35 km du Mans. Il doit venir en aide à Natacha et à ses 4 enfants, Maud 14 ans, Julien 13 ans, Sharon 11 ans et Jarod 6 ans. Ils vivent tous les 5 dans une maison que Natacha n'a pas la possibilité de rénover depuis le décès de son mari Didier. Ah, le ton est sérieux parce que c'est une mission, on tire à l'arme hein, quand même. Il y a quand même le côté, voilà, il y a quand même une base. Mais les gens dans la misère de base, on ne les voit qu'au début et à la fin. Ce qu'on va surtout suivre, c'est évidemment l'aventure de Marquet, mais le fait qu'il crie sur ses bénévoles qui viennent travailler gratuitement. Et puis il panique parce qu'il n'y a pas de cuisine. Fait quoi? On arrive. Je suis dépassé, dépassé. Un jour de juin 2010, Didier est emporté par un infarctus sur le terrain de cette maison qu'il rénove lui-même. Depuis, Natacha, débordée par l'ampleur des travaux à accomplir et son métier de maraîcher, beaucoup de plaisir, je suis ne peut avec plus toi. Espérer finir cette maison dont elle rêvait tant avec son mari. Mais je sais que je peux pas assumer de faire les travaux. Maintenant, je me retrouve toute seule avec les 4 enfants et j'arrive plus à faire surface, de toute façon. Par manque de temps et par manque d'argent, Natacha se retrouve dans une impasse. Marc-Emmanuel va tout mettre en œuvre pour réaliser le souhait de cette maman, avoir enfin une maison digne de ce nom pour ses enfants. Il est là! Notre famille n'est pas au courant de la venue de Marc-Emmanuel. Il marche de manière décidée avec son petit carnet. Ou sa tablette, ou je ne sais jamais ce qu'il a en main. Un répondeur, qu'est-ce qu'il... à chaque fois, regardez comme c'était si long, regardez son regard à la fin. C'est ça que je veux dire, c'est dans ce feeling, ça ne peut pas s'expliquer, c'est là, c'est ça. C'est ça. Regardez. Regardez comme il sait qu'il est un héros. C'est un héros. Salut les amis. J'y croyais pas du tout, moi. Il n'a pas fait la bise à l'autre, c'est un garçon. Je suis tellement contente, même pour mes enfants, surtout, c'est ça, surtout. Des larmes de joie, mon grand? Tellement contente. C'est des larmes de joie? Et toi, t'as le sourire, hein? Merci Feuilles pour le prime, merci beaucoup. Jarod, dis-moi comment elle est la maison? Bah, elle va s'écrouler parce que dans jour en jour, elle va vieillir. Après, elle va casser. Il est temps qu'on intervienne alors? C'est vrai? On fait ce cadeau pour maman? Marc-Emmanuel va avoir deux secondes. Donc il parle tout bas avec cette voix-là, toujours en début, en fin d'émission. Ça, c'est sa voix avec la famille. Et après, quand il est avec les gens, là, il crie. Il y a deux Marc-Emmanuel. Il y en a plus que deux. Pour terminer les travaux, avant de devoir partir aider une autre famille. Et pour... C'est pas une parodie, mais ce serait très dur à parodier. Commencer, il a quelques messages d'espoir à leur faire passer.
Natacha, j'espère que ça marche. Ah, c'est ça, il vient avec une petite tablette. Ça marchera l'émission, surtout pour toi et tes enfants, et surtout pour une personne, Didier, qui nous reste toujours au cœur. Et il s'est jamais arrêté. Ah, c'est chaud, parce que là, d'habitude, c'est genre le père, il est plus genre, il s'est cassé une jambe ou un truc comme ça. Là, on est quand même sur un décès. Sa vie, alors vous méritez ça, toi et tes enfants. Natacha, maintenant, faut qu'on regarde en avant. Je voudrais que tu sois enfin heureuse avec tes enfants. Le monde à l'envers, la fête. Tout ce qu'on peut pour toi. Je t'aime. Le bal macho, je me souviens, on avait regardé. Ouais. On va faire le tour de la maison. Vous allez montrer un peu tout ce qu'il y a à faire, d'accord? Et puis on se retrouve après, les enfants. Allez, venez, Natacha. Marc-Emmanuel veut tout d'abord se faire une idée précise de l'état de cette vie. Ah oui, et là, c'est là, il a, là, voilà, là, c'est la partie où il va commencer à humilier les gens en disant mais bordel, mais. Parce qu'il vient pour ça et après il est étonné que la maison est en lambeaux, tu vois. Vieille maison. Et déjà, l'extérieur pose un problème. Ah oui, vous n'avez aucun enduit de façade, y'a rien. Le mur, il est absolument pas doublé. Tout le bois est pourri, là. Là, toutes les façades sont à reprendre. L'intérieur aussi réserve des surprises. La salle à manger, actuellement, c'est une cave. On est à même le brut de béton, il y a une chape à reprendre partout. Et là, il y a une différence de niveau. Donc là, c'est remettre du béton et en enlever ici. Regardez, on y met un pas. Pourquoi il y a tout ça? Il faut que je fasse éclater toute la dalle. Que je fasse, il va rien faire, hein, il va rien faire lui-même. Regardez. Il arrache tout. Regardez comme le bois il est mauvais. Direction la salle de bain où l'humidité a tout envahi. Il y a pas de carreaux, il y a rien. Donc en fait c'est de l'humidité partout, de l'eau, des infiltrations, des fuites. Ça sent l'humidité, tout ça il faut supprimer. Il y a des fuites partout, ici ça coule. Dans cette maison, tout est délabré. La liste des travaux à réaliser s'allonge. Tous les sols sont à reprendre, tous les murs, comme ça, là. Vous avez pas honte ? Doublage, isolation. Mais là, il y a un travail de folie. C'est quoi ces dauphins, là, sur l'armoire ? Vous avez pas honte ? Le premier étage est rongé par les infiltrations d'eau. Regardez tout. Partout, les infiltrations d'eau. C'est un mélange de polystyrène, de pierre, qui tiennent pas. Regardez. C'est phénoménal, il y a tout à reprendre dans la maison. C'est dans un état. Faut que je me reprenne. C'est toujours les quelques premières minutes, je suis euphorique et je ris vraiment trop à tout ce qui se passe. Après, je vais me stabiliser, pardon. Catastrophique, il y a tout à faire, tout à reprendre. Il est urgent d'intervenir. Et là, il fait un petit câlin quand même en plus. Première étape, trouver le maximum de bénévoles pour faire les travaux. Direction. La télévision locale. Je suis pas trop en retard ? Allons-y. C'est bien. Merci beaucoup de me permettre pas de, problème. De communiquer à tous ces gens. On y va ? Elle a pas pu faire de double check parce qu'il avait été un truc en main. 3, 2, 1. Bonjour Marc. Bonjour, ça va bien ? Ce qui vous amène, c'est Natacha et ses 4 enfants. Natacha, 4 enfants. La maison... Il utilise tout le temps des outils différents pour faire l'appel aux bénévoles. Là, il passe à la télévision locale, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Et dans un état vraiment de grande précarité. Marc-Emmanuel espère bien que cela incitera des bénévoles à se rendre le soir même à la réunion de mobilisation. Si vous êtes plaquiste, si vous êtes couvreur, si vous êtes artisan, et je compte sur vous, amis. Merci Aurélien Lux. Pour les 8 mois, merci beaucoup. Oh non! Il a rattrapé sa main. Pour venir me rejoindre à Monsigné. Il a attrapé le pouce. Non. J'aurais mon check. Ensuite sur le circuit du Mans où se déroule une course de camions. Il est accueilli par Pierre Dubois, organisateur de l'événement. Merci bien. Malin. Deux séries de compétition. Les tribunes elles sont pleines. Il y a combien de personnes? C'est le GP Explorer. Micro en main, Marc-Emmanuel s'avance. Devant lui, 20 000 personnes. Que vous soyez artisan, simple bénévole, si vous connaissez des distributeurs de matériaux, j'ai besoin de vous tous, amis sartois, d'un grand élan de solidarité et de générosité. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Il a une feuille floue en main. Vous restez ici, vous en parlez autour de vous. 21h30, l'heure de la réunion de mobilisation a sonné. Marc-Emmanuel va savoir si sa force de conviction a payé. Bonsoir. Il y a moins de monde que d'habitude quand même, ou c'est la salle qui est grande. 200 personnes. Toujours une estrade pour qu'ils puissent monter. Il y a tout à faire à l'intérieur.
J'en appelle à votre solidarité, à votre générosité, à vos réseaux, à vos tuyaux, vos connaissances, tout votre tissu local. Il y a énormément à faire dans cette maison. Y a-t-il parmi vous des artisans? Levez bien la main. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, allez. Il compte super vite. Une bonne vingtaine, ce ne sera pas suffisant. Pour moi, la grosse angoisse sur le chantier, c'est les plaques de plâtre. Il va vous falloir en quantité incroyable. Est-ce que parmi vous, il y a des plaquistes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais... faut vraiment que vous le regardiez, faut le regarder dans les yeux. Pour travailler, il va leur falloir des matériaux. Parce que c'est le nerf de la guerre. Est-ce que parmi vous, il y a des distributeurs de matériaux? Tout type de matériaux, on peut venir vous voir? Tout type. Vous êtes prêts à nous aider? Oui. Applaudissements. Dans la foule, certaines personnes. Il y a toujours des platistes dans l'histoire, je sais pas pourquoi. Ils cherchent toujours des artisans, des gens qui font des maisons, puis des platistes, je sais pas pourquoi. Artisans ni fournisseurs, mais ils désirent quand même aider à leur manière. Oui, nous ne sommes ni bricoleurs, nous ne sommes pas vendeurs de matériaux, mais nous savons chanter et on est capable de faire un concert pour Natacha et ses enfants. Je sais pas si ça aidera à construire la maison, mais. Applaudissements pour Jean-Pierre! Merci! Est-ce que je peux compter sur vous? Mais il n'y a pas assez d'artisans. 200 bénévoles, des matériaux, des animations pour récolter de l'argent. Marc-Emmanuel n'avait jamais vu une aventure démarrer avec autant de succès. Mais dès le lendemain, il arrive avec les Avengers, c'est parti. C'est la désillusion. Ils ne sont que 16 bénévoles. Oh ! Oh là, c'est un scandale, putain, d'habitude, ils sont... Oh là 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 ! Ils sont extrêmement peu. Alors si vous n'avez pas l'habitude et que vous n'avez pas vu d'autres épisodes, ils sont extrêmement peu par rapport à d'habitude, là. On est très peu nombreux ce matin, il va vraiment falloir qu'on soit coordonnés. Je peux compter sur vous ? Ouais ! Allez. Voilà, cette maison, c'est la maison de Natacha. Et c'est vrai que cette maison, bah, y a énormément à faire. Il y en voit déjà trois qui s'en vont. Ah oui, non, ok. On n'est pas très nombreux. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Vu cette grande réunion publique qu'on a faite hier, est-ce que vous êtes prêts à relever les manches? Ouais! À décupler l'énergie pour faire en sorte qu'on puisse assurer le déménagement alors qu'on est peu nombreux? Ils ont 16 jours, hein. 16 jours! Et ils sont que ça. Ouais! On y va à cette maison de la vente? Ouais! Les bénévoles vont avoir 2 semaines pour créer dans cette maison un salon salle à manger. Une salle non, de non, bain. Non, non. Attendez, j'enlève ça, parce qu'à chaque fois ils font le spoil des pièces, je vous l'épargne, je regarde même une pas aussi. Pour chacun des je sais pas pourquoi enfants, ils font ça, Maud, c'est trop naze. Julien, Sharon. Nous on veut découvrir les pièces à la fin. Voilà, c'est bon, c'est avec fini. Avec 16 bénévoles, pour le moment cela semble... Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Possible. Mais quoi qu'il en soit, il faut vider entièrement cette maison avant de démolir tout ce qui est trop vieux pour être rénové. Eh hey, bravo. Bravo. Eh, hey, grand merci. Le double check. D'être venu avec le camion de jouer. Deux. Belle solidarité. On va à l'intérieur. Un quadruple check. Ah, c'est parti, c'est parti. Allez, c'est bon, ça vénère. Ah, il fait quand même des trucs. La destruction de cette maison fait surgir... Le plan de lui qui se défoule sur un mur. La destruction de cette maison fait surgir un premier problème. C'est le problème de ce pilier-là, c'est qu'il a été coulé en 3 fois. La maison, il y a des rapports de... C'est fragile ça? C'est fragile, voilà. Ce poteau-là est porteur par rapport à la maison. Donc ça veut dire quoi? Il faut les enlever, les refaire? Non, c'est pas avant. Ils transpirent et tout. Pour enlever les refaire, il faut les coffrer autour pour les renforcer. D'accord. Les refaire arrière, renforcer. Combien de temps on va prendre, Michael, pour faire ça? 5 heures. Hier soir, tout avait bien débuté, mais aujourd'hui, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Les piliers en béton sont trop fragiles. C'est toi le pro, t'es maçon. Si pour toi c'est fragile, on sécurise, on refait. Ok? Ça peut être fragile. Allez, Michael, je te laisse sonder, tu regardes, tu fais au mieux pour gagner du temps, maman. Michael veut consolider les piliers avec du béton. Son idée, mon grand. Utiliser un peu de béton du camion Toupie qui est arrivé sur le chantier afin de couler une dalle. Très important de réaliser ce coffrage pour renforcer la structure. Ouais, elle-même, et là on va leur couler avec du béton liquide avec des collègues du béton. Vas-y. Allez, remue. Pendant ce temps, dans tout le reste du rez-de-chaussée, une chape est tirée pour pouvoir accueillir plus tard le nouveau carrelage. Une chape additionnelle prise rapide pour pouvoir monter dessus dès demain pour pouvoir continuer les travaux. C'est peu, hein, 16 jours. Il y a un générateur dedans, ce qui fait qu'elle va prendre assez rapidement. Bon, voilà, cette planche est mise là pour sécuriser le chantier. Quelqu'un peut me passer la bouteille de Transfi. Donc maintenant, c'est impeccable. On se trouve qu'on a fait une bonne journée, on a bien bossé. Une bonne équipe. Maintenant, bah, le séchage, 10 heures. Je sécurise que personne ne monte dessus. Puis au moins demain, nickel, tout le monde peut continuer à travailler. Parfait.
Le lendemain matin, la chape est sèche. Mais les bénévoles n'ont pas de matériaux. Ah non, on a strictement rien. On a strictement rien. Bruno et Prosper sont entrepreneurs. Elle est bizarre cette émission, elle, c'est pas comme d'habitude, ils sont vraiment peu. Ils ont rien. Ils sont venus avec leur équipe ce matin pour lister tout ce dont ils ont besoin. Pour toi, est-ce que c'est bon c'est jouable problème. Ouais. Les garçons, est-ce que vous... C'est ce jour, c'est le temps qu'il faut ranger mon linge propre. Bah pourquoi 16 jours ? Bah pourquoi 16 jours ? Alors pourquoi 16 et pas 15 ou 17 ? Ça je n'en sais rien, mais pourquoi il y a des jours ? C'est pour donner évidemment voilà, que soit qu'il y ait un challenge, qu'il y ait un challenge à l'émission quoi. Parce que sinon des bénévoles on leur dit vous avez le temps que vous voulez, bon bah les gens passeront quand ça les arrange, ça irait trop lentement, il faut qu'il y ait un truc intense quoi. C'est que c'est du show. C'est du show solidarité. Oui, on Mais vous êtes tout ça ? Ah bah c'est pas une petite maison à refaire hein. Vous commencez à supprimer tout ça. Supprimer, d'accord, c'est ça. Disparaît, hein. Voilà, ouais. D'accord, tout ça, ouais. Okay. Et puis je trouve la matière et je reviens. Ok les gars, sans problème. Allez, sans problème. À de suite. Okay. Marc-Emmanuel doit obtenir 750 mètres carrés de plaques de plâtre. À l'intérieur de la maison, les bénévoles n'ont rien à faire. On ne sait pas quoi faire. On attend que Marc-Emmanuel amène du matériel. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur. Est-ce qu'éventuellement vous accepteriez, mais là j'ai un gros quantitatif, il me faut 750 mètres carrés de plaques de plâtre. Oh là, 750 mètres carrés. Moi, 750 mètres carrés, comme ça, non, c'est impossible. Moi. Les quantités demandées sont trop importantes, les bénévoles attendent toujours. Enfin, vraiment. Il coupe le micro, mais quel connard. Pas dans les délais, mais vraiment pas du tout, va falloir. Monsieur, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la solidarité ? Des mois et des mois si ça avance comme ça, quoi. Vous dépannez d'une palette, deux palettes grand maximum. Moi, je suis sur la commune de Mansigné, au sud du Mans. Par rapport à Évron, il y a combien de kilomètres ? Il y a plus de 100 km. 100 km pour deux palettes, Marc-Emmanuel n'a pas le choix. Il faut y aller, sinon les bénévoles risquent de quitter le chantier. Je me débrouille pour venir à vous, je prends la voiture là maintenant et je suis là le plus vite possible. D'accord ? Je vous attends, on voit ça. L'aller-retour va faire perdre au moins 3 heures. Aïe, Marc-Emmanuel doit absolument rapporter des matériaux. C'est l'apocalypse j'ai cet épisode. J'ai rien pour travailler. À 100 km de là, Marc-Emmanuel tente le tout pour le tout. Monsieur Morin, enchanté. Bon. Comme elle a dit. C'est drôle quand on y pense, la chaîne aurait large de quoi payer. Oui, mais non, mais si. Mais oui, mais alors il n'y aurait pas de solidarité. Moi, je vous mets deux palettes. D'accord. Aujourd'hui, aucun problème. Par contre, pour les trois autres, c'est niet. Moi, il faut que je garde pour mes. Anthony ne peut fournir que deux palettes, sinon il n'aura plus de stock pour ses clients. Mais il veut aider Marc-Emmanuel. Il décide alors d'appeler ses collaborateurs pour arriver aux 750 mètres carrés de plaques de plâtre qu'il manque pour le chantier. Quand même. Est-ce qu'il faut en stock, toi, éventuellement ? Bon, bon, ok. Donc si je la veux tout de suite, là, il n'y a aucun problème. Alain, notre chauffeur, peut venir la chercher. Ouais, je peux compter sur toi. Bon, ok, je te remercie, Sylvain. Plusieurs magasins acceptent de l'aider. Hein. La quantité nécessaire est rassemblée grâce à une chaîne de solidarité. Une chaîne de solidarité. T'es prêt à jouer le jeu ? Bon, eh ben super, tip top. Merci, à la prochaine, ciao. Toc. Ça le fait, impeccable. Ah bah là, ça le fait, ah, mais beau double c'est check. Tout mon chantier qui est dans vos mains. Quand Marc-Emmanuel m'a contacté, très surpris parce que bon, j'ai eu une petite minute de réflexion, je me suis dit oh là, qu'est-ce qui se passe ? Et puis ensuite, bah, après, c'est vrai qu'on a mis tout en œuvre très très rapidement pour pouvoir lui donner un bon coup de main pour ce projet. Après une demi-journée d'attente, les plaquistes vont avoir de quoi se mettre au travail. Marc-Emmanuel est lui aussi de retour et cette fois-ci, ce sont les électriciens qui n'ont pas. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de poser des trucs comme ça, ils font « Oui, mais alors attends, mais comment ça se fait du coup que l'horizon, c'est une ligne droite ?» Réfléchis, réfléchis. Pas de quoi avancer. Là, la liste est là. Là, montre-moi. Marc-Emmanuel regarde la liste, décroche son téléphone et un camion se présente. À son bord, tout le matériel électrique de la maison. Pour nous, c'est très, très important de pouvoir faire plaisir à une famille qui a besoin de cette générosité. Alors lui pourrait tout payer, il est riche. Marc-Emmanuel a enfin les matériaux nécessaires pour avancer, mais il manque toujours des bénévoles. Il demande à tout le monde de trouver d'autres volontaires. C'est vrai que ça manque de bénévoles là, hein. La maison est énorme. Regarde tout ce qu'il y a à faire en bande. Les garçons, Bruni, Francis, est-ce que vous avez, vous... D'habitude, ils marchent dans une foule de gens. Moyen de me trouver du renfort pour tout ce qui est bande à joint. Regardez, parce que vous finissez les plaques de plâtre. Mais après, c'est tous les enduits à faire, toutes les bandes. Non, désolé. Non. La solution va finalement venir d'Alexandre. Écoute, moi, je suis motard. Et si vraiment t'as besoin de beaucoup de monde, je peux appeler mes potes motards et qu'ils se ramènent le plus rapidement possible. Let's go, les motards. Les potes motards. Ouais, pas de soucis. Merci, mon grand. On va avoir des la motards. La solidarité des motards ne se dément pas. Allez.
Le lendemain matin, ils sont plus d'une vingtaine à débarquer pour venir aider. Leur mission est simple, faire tout leur possible pour tenir les délais du chantier. Et pour cela, ils ont décidé d'y consacrer tout le temps nécessaire. On a vraiment un esprit d'équipe fort, donc on est là, on sera là toute la semaine, dimanche, lundi, mardi, jusqu'à... Ils bossent avec leur costume de motard. Toute cette générosité s'est mise en place pour venir en aide à Natacha et à ses quatre enfants. Invocation motard. Dépassé, dépassé. En juin 2010, Didier, son mari, a été emporté par un infarctus alors qu'il rénovait sa maison pour y installer sa famille. Maintenant, je me retrouve toute seule avec mes quatre enfants et j'arrive plus à faire surface, de toute façon. Depuis, Natacha et ses enfants campent dans une maison inhabitable sans moyen de finir les travaux. Mais toute une région est en train de se mobiliser afin de redonner un peu d'espoir à cette famille en terminant le chantier. Ah, dommage, je connais la famille plus, je habite crois. Pendant les travaux chez Céline, la meilleure amie de Natacha. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire des gâteaux bénévoles. Oh. On essaye de faire des petits gâteaux pour les soutenir un peu parce qu'ils travaillent quand même jour et nuit. Marc-Emmanuel repart avec un autre cadeau pour les bénévoles. Marc, on a voulu écrire un petit mot pour remercier tous les bénévoles. Oh, c'est chouette. Je la lis pas maintenant. Je la garde. Ah, c'est chouette. Écoute, on a quand même une maison à faire. Ah, c'est chouette. Et il la met dans sa poche. On voit qu'après, elle tombe par terre et qu'il s'en va comme ça. Eh, venez tous. J'ai une petite surprise pour vous. Même ah non, le voilà. Ça va. Il va le lire. Tout ça, c'est pour que vous puissiez savoir toute la gratitude qu'ils ont envers le geste d'amour que vous faites. Ah, il prend sa voix calme avec les bénévoles, parce que c'est le moment. Voilà, pour qu'ils puissent vivre dans des conditions décentes. Ils ont voulu me faire un petit mot. Bonjour à tous les artisans et les bénévoles. Toute la famille, on voudrait vous dire merci du fond du cœur. Pour construire notre maison. Wow. On sait que vous travaillez beaucoup et grâce à vous, on va pouvoir recommencer une nouvelle vie. Ah, c'est stylé. Il lit et puis ça prend la voix des personnages. Putain, on est dans un film. Et si papa avait été là, il aurait été super fier de vous. Et si papa avait été là, il aurait été super fier de vous. C'est un peu long les pauses, Marcus. On ne vous oubliera jamais. Merci. Merci, 5 merci pour Natacha et les petits. Merci à vous tous. Il y a Jarod qui a rajouté ceci. Et il m'explique que là, ben, c'est l'un d'entre vous avec un marteau. C'est l'un d'entre vous avec une scie. Vous êtes pour beaucoup. Dans les couleurs qu'il y a sur ce dessin, pour Jarod et Pipip. Ouais ! Allez les amis ! Les bénévoles sont remotivés par les attentes. Même quand il coupe un gâteau, il est énervé. Allez les amis ! Les bénévoles sont remotivés par les attentions de la famille. Ils ont un peu de répit, mais un nouveau camion arrive. Super ! Ah. Allez, on se gare, bonheur ! À l'intérieur, tout le matériel de plomberie. Merci surtout, Gilles Seba. Parce que c'est un super geste. Voilà, il y a tout ça à décharger. C'est pas beau. Ah, c'est lui qui abaisse le truc. Extraordinaire. Allez, chaîne humaine, les amis. Allez. Allez, allez c'est attention, c'est lourd. Je te remercie, Gilles. Vraiment, parce que c'est sympa magnifique. De nous offrir tout ça, c'est extraordinaire. Bon retour, rentre bien. Merci. Hein. Il va falloir installer la plomberie rapidement, car le carrelage est déjà là. C'est bon, les gars, tout le matos arrive. On a le carrelage, le parquet, le mortier, la colle, tout ça. On va répartir tout ça dans les pièces. Il y a 150 mètres carrés de carrelage pour toute la maison. Allez ! La journée s'achève sur ce chantier. Et les bénévoles sont loin d'avoir fini. Ils sont pas assez, hein. Hé hey Joachim, tu commences là ce soir ? Ah oui. Oui, on est obligé de commencer, faut que ça soit fini. J'ai vu qu'il y avait de la place qui était libre. Alors, autant commencer, puis s'il faut y passer les herbes, on le fera. C'est bien, mon Joachim, on va gagner du temps grâce à toi. À l'étage aussi, il reste beaucoup de travail. Il faudrait que les bénévoles acceptent de faire des heures supplémentaires. Oh, est-ce qu'au moins vous vous restez un peu ce soir ? Il rentre dans les pièces comme ça. Oui, un moment. Merci, mon Jérôme. La place supplémentaire. La pression qu'il met.
Oui, ça va. Vous restez un peu ce soir, parce qu'eux, ils sont prêts à plaquer pendant la nuit. Oui, un moment. Merci, mon Jérôme. Allez, les gars. Hey, il a pas méga envie, Jérôme. Il a pas vraiment. Il y a vraiment Marc Emmanuel qui est venu. Je voulais juste vérifier que vous êtes des bons bénévoles comme ceux d'en bas, ou si vous partiez, que vous étiez des mauvais bénévoles. Vous êtes des bons ou des mauvais bénévoles? C'était juste pour savoir. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vous faites comme vous voulez. Bah oui, il est super tard et on est toujours à l'ouvrage, mais on a promis à Marc-Emmanuel qu'on finirait l'électricité. C'est un défi, on doit le relever et je pense qu'on peut y arriver. Bon, on y retourne parce que c'est loin d'être terminé. Hein. Ok. Allez. Les électriciens d'un côté, les carreleurs de l'autre. Marc, il a été dormir. Ils ont décidé de tout donner. Dans deux jours, cette maison doit être terminée. Je sais pas s'il dort. On vient après le travail. Et puis, ça se termine à l'heure qu'il faut terminer la pièce. Le lendemain matin, l'enduit de façade arrive, offert par un magasin local. Il y a plus de 700 sacs de 30 kilos chacun. C'est la première fois que je viens sur un chantier de bénévoles. Ah, ils ont beaucoup de courage, faut avoir du cœur, surtout du cœur. Les bénévoles mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais ils commencent à être très fatigués. Pour les encourager, Marc-Emmanuel a une petite idée. Il appelle Jean-Pierre, qui avait proposé d'organiser une soirée afin de récolter des fonds. Oui Jean-Pierre, est-ce que l'idée de la soirée, le concert, tient toujours? Moi, ce qui est important, c'est que les gars travaillent jour et nuit sur le terrain. Ah oui, le concert, c'est pour récolter des fonds, un peu comme il y a eu la vente de gâteaux dans l'autre truc. C'est que vous puissiez les accueillir pour qu'ils puissent passer une soirée détente. Et moi, il n'y a aucun problème, donc j'accueille tes bénévoles qui viennent souffler et... ça va leur permettre de passer une super soirée. Vraiment, grand merci Jean-Pierre, c'est tip-top, super. Le concert accueillera gratuitement les bénévoles. Pour tous les autres, une participation sera demandée. Pendant que l'enduit de façade est posé, le gymnase de Mansigné se transforme pour un soir en une salle de spectacle. Des t-shirts sont même imprimés par Andrea pour l'occasion. On est en train de préparer une petite surprise pour les artisans qui sont en train de travailler sur le chantier, qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour nous aider. Donc pour les remercier, on leur fait des t-shirts pour montrer toute la solidarité. Entre les t-shirts et le concert, aujourd'hui, c'est bien, t'as placé les bénévoles solidarité. Sont ravis. Je vais juste finir le chantier. On va rester 1h30 et après on repart sur le chantier parce qu'il y a beaucoup de boulot. Puis nous, ça nous tenait à cœur, toute l'équipe des Amas de cœur, donc de pouvoir donner ce concert ce soir, non seulement il a une maquilleuse. Pour récolter des fonds, pour acheter des matériaux, et puis aussi pour la déco de la maison, ça c'est... ça nous tient vraiment à cœur. Est-ce que ça va continuer ? En plus des bénévoles invités, 520 personnes sont là. Alors le Patsy, t'as dit que le spectacle allait être malaisant. Je pense que tu as peut-être raison. Derrière moi, tous les bénévoles. Et pour clôturer le spectacle, Jean-Pierre tient à remercier tous les bénévoles, montant des fonds récoltés 4000 euros. Cela va permettre de décorer une partie des chambres des... Il y a Marc-Emmanuel qui va descendre du plafond avec des ailes d'ange comme ça. Ah non. Le lendemain matin, à 48 heures de la fin du chantier, Marc-Emmanuel est à la recherche d'une cuisine. Ah ! Il explique son projet à Patrick qui accepte de l'aider. La cuisine. Ouais, elle est magnifique. Pour moi, le côté magique de cette... qui accepte de... Ça, c'est juste un écran. Voilà, tout à fait. Mais elle est beaucoup trop petite. Magnifique. Non, c'est un écran, Marc. C'est un écran, Marc. De cette émission, c'est quoi une cuisine pour des fourmis? C'est bénévole sur place. Donner une cuisine, donner l'électroménager, c'est la seule possibilité que l'on avait et on l'a fait avec grand plaisir. Et ça nous touche profondément d'aider quelqu'un dans le besoin. La cuisine sera posée dès le lendemain. Pour le moment, il est l'heure de s'attaquer à toutes les peintures de la maison. La solidarité sont des valeurs importantes et pour la société et pour nous à titre personnel. Donc on a complètement normal. Ça faisait vraiment à ton allure, ouais, c'est ça, ouais. La journée bat son plein, mais entre les peintures, la salle de bain et le carrelage, il reste encore beaucoup de travail. À 24 heures de la fin du chantier, un constat s'impose, il y a beaucoup de retard. Bah oui. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du chantier. Ah merde. Les bénévoles doutent de la réussite de leur aventure. C'est le dernier jour là, mais... Ok pour ce soir, parce que là, il y a encore beaucoup de finitions à faire. Et les peintures sont pas terminées.
Ouais, puis en plus, l'intérieur de la maison, c'est pire. Chaque fois que le mot solidarité est prononcé, on boit un shot. Je crois qu'il y avait ça un moment. Ou alors, c'était quand il faisait des checks. Il y avait eu un Manuel est obligé de prendre une décision lourde de conséquences. Mes amis, moi, si je vous ai réunis, c'est parce que je me rends à l'évidence qu'on peut pas rendre ce soir. Le seuil de marche, il n'est pas fait. Il manque même des plinthes. Quand je vois l'étage, l'escalier, tout ce qu'il y a autour, tout ça, il faut finir, il faut nettoyer. On n'arrivera pas au bout. Alors soit on fait ce soir dans la précipitation et on fait quelque chose de pas correct, de pas clean, soit on dit, ensemble, on décale tout d'une journée et demain, on remet le couvert. Est-ce que tout le monde peut revenir demain? Demain, il y aura encore moins de personnes. Je sais que certainement certains ne pourront pas venir, ça va en décevoir. Il y a des désaccords. Pour moi, rendre la maison dans cet état aujourd'hui, c'est... Ils ont vraiment travaillé le suspense et le storytelling beaucoup plus. Hein. Ça va être dans des épisodes plus avancés. Est-ce qu'on dit oui? Fou ce qui se passe. Est-ce qu'on se dit qu'en effet, on remet une journée de plus? Il n'y a jamais eu d'échec comme ça. Ouais. Vous avez l'énergie? Ouais. Allez, on y va. On tourne au table, les gars. Ouais. Et vive la fin! Les bénévoles acceptent de consacrer une journée de plus pour pouvoir finir ce chantier. À l'extérieur de la maison, le gravier est arrivé et il faut l'étaler. Mais vu l'état du truc, c'est en une journée qu'on... Décoratrice bénévole est en quête d'accessoires de décoration pour la maison. Allez, hop, c'est parti. Allez, la déco. Une partie des accessoires la déco des années 2000, va pouvoir être 2010. Achetée grâce à l'argent récolté lors du concert il y a 2 jours. À l'intérieur de la maison, la journée de travaux supplémentaires ne sera pas de trop. Car au milieu de l'après-midi, les bénévoles n'en sont qu'à la pose de l'escalier. Il leur manque encore de quoi le sécuriser. Mais comment je vais trouver? Qu'est-ce que je vais trouver? Et du coup, il est debout sur un escalier non sécurisé. Comme solution? Je peux pas rendre la maison comme ça, c'est trop dangereux. Les gamins, ils viendront tomber dans la cage d'escalier. Trouve-moi des matériaux, trouve-moi des plaques et... tu parles pas comme ça à Markem déjà. Oh. Marc-Emmanuel doit débloquer la situation. Là, la voix off a repris, mais on voyait Marc-Emmanuel répondre et lui dire « Alors déjà, tu me parles pas comme ça. » Laurent, le gérant d'une société de matériaux de construction, va lui venir en aide. Monsieur Lambert, je me permets, il me manque encore de quoi faire une rambarde d'urgence parce que je n'ai plus le temps d'en fabriquer une en bois. C'est un bonheur. Grand merci, vous nous sauvez le coup, vraiment. Notre sauveur. J'ai fait au plus vite que j'ai vu. 20 minutes, c'est parfait. Marc-Emmanuel m'a dit que c'était très urgent, donc obligatoirement, la première chose que j'ai fait, je suis monté dans mon camion, j'ai abandonné mon travail et je suis venu tout de suite avec les matériaux pour pouvoir vraiment dépanner le plus vite possible. Dans 24 heures, quoi qu'il arrive, Natacha et ses 4 enfants doivent retourner vivre dans leur maison. Et comme les bénévoles ont envie de... Dans 24 heures, quoi qu'il arrive, ils peuvent prendre un jour de plus leur encore, faire plaisir, c'est pas fini. Ils ont décidé de personnaliser chacune de leurs chambres. La moto! Donc là, nous en collons le deuxième layer. Bon, vu qu'il y a des trucs urgents, je sais pas s'ils mettent une grosse photo de moto sur le mur, c'était le plus urgent, le plus important. Le deuxième layer qui est à poser pour le petit Julien, car on lui fait une bonne surprise pour. Comme il aime la moto en fait. Donc on lui a imprimé un grand visuel moto, rien que pour lui. Le chantier est encore loin d'être terminé. La journée de demain va être décisive. C'est magnifique. Dans combien de temps on a terminé la salle de bain là en peinture? Bah, ça devrait plus tarder, maintenant on fait notre maximum. C'est comme ça qu'on met de la peinture. C'est la dernière des pièces à peindre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du chantier. La première partie des meubles arrive. Il va falloir tout décharger, tout installer. C'est Laetitia qui est aux commandes. C'est la panique. C'est la panique. Les bénévoles se bousculent. Il faut faire de la place pour l'arrivée de l'électroménager. J'ai vu Marc-Emmanuel dans une émission de télé locale. Et donc, suite à cette émission, on a décidé, nous, d'offrir notre électroménager pour cette famille. De son côté, Marc-Emmanuel attend tout le reste des meubles. Dieu merci. C'est bon, les gars. Coup de main. Lâche-toi un petit peu. On a les meubles. Grand merci, mon Gaël. Allez, très vite, les garçons. Venez avec moi, très vite. Donc, ça va. Dans le salon. Allez, dépêchez-vous. C'est top ici. Super geste, vraiment. Moi, je porte pas, mais... Vous voyez avec Laetitia comment les placer à l'intérieur. D'accord. On est d'accord? Ouais, pour nous, c'était important de réagir parce qu'on voulait faire partie de cette aventure. Et comme on est une entreprise familiale, on voulait apporter cette pierre à cet édifice, quoi. Ça se comprend. Tiens, ça, c'est chambre de Natacha. Oui. Ça donne quoi, les garçons? Dieu merci, Daddy. Combien de temps encore, là? 5 minutes. C'est bonheur. Lolita, c'est parfait. À côté, les garçons, ça donne quoi?
C'est le ménage ici. Là, ça, ça peut disparaître. Vite, vite, les amis, on a que 3 quarts d'heure maximum pour tout faire la déco. Maintenant, on débarrasse tous les outils. Allez, c'est parti. Ils arrivent dans 3 quarts d'heure. C'est super, Banéis. Merci beaucoup. Ah, ça devient sympa, hein. On y va, c'est tout le monde. Maintenant, on lâche plus rien, les amis. Dans une demi-heure, on doit avoir terminé. Une entreprise locale a décidé de décorer entièrement la maison avec des plantes. Ah, sympa l'idée, les gars. C'est beau, mur végétal. Enfin... Non, c'est pas un mur végétal, c'est juste des pots de fleurs posés sur le sol, Marc. Un poêle à bois est installé. Un don d'une valeur de 7000 euros. C'est rien à côté de ce qui est arrivé, quoi. Donc, voilà, c'est juste le plaisir d'offrir. Merci, c'est un super cadeau, monsieur Berger. On se frotte les mains devant le feu. Les derniers détails sont vérifiés. Si les bénévoles sont restés une journée de plus, c'est pour offrir une maison absolument parfaite à notre famille. Oh là là ! Ils vont manger des bougies. Des bougies en sauce. Natacha et ses enfants étaient obligés de vivre au milieu d'une maison en travaux depuis que Didier, son mari et c'est le maintenant, papa c'est des le enfants, reveal. A été emporté par un infarctus en juin 2010. Natacha ne pouvait plus faire face toute seule. Elle va maintenant découvrir sa nouvelle maison. Attention, Marc Emmanuel passe en mode ASMR. Tous les amis, toute la famille et tous ces inconnus se sont démenés, n'ont rien lâché. Ont voulu pour vous, Natacha, pour vos enfants, le meilleur. Pour vous, Natacha, pour vos enfants, le meilleur. C'est vraiment des ASMR, il fait un peu à l'oreille droite, et puis il vient dans l'oreille gauche, comme ça, le meilleur. Pour vous aider. Les amis, ouvrez les yeux. Bienvenue à la maison. Et attention, Jurassic Park. L'extérieur a été totalement rénové. C'est quoi, ils rentrent dans la maison, Jurassic Park. Merci, Hello Rookie. C'est énorme. Je peux rien dire. Mais ils ont fait du travail, vraiment du beau travail, du beau travail. Tous les bénévoles, artisans. Quand je vois le résultat, c'est... Je reviens pas. C'est beau. Merci, c'est Baron Spiriel. C'est super. Direction maintenant l'intérieur de la maison. Oh, punaise. C'est superbe. Cette pièce encombrée et inutilisée s'est transformée en un salon salle à manger. Et pour une fois, c'est pas si dégueu. D'habitude, c'est plus kitsch, plus moche. Il est pas dégueu, ce salon. Hein. On sent qu'on est... Ouais, c'est les années 2010, mais... C'est beau. Si, si, c'est dégueulasse. Je trouve pas les murs. Vous avez cloné des raptors. Ils sont très bien travaillés. Parce que j'aurais pas imaginé ça comme ça. Moi non plus. Ça fait beaucoup plaisir. Oh, c'est bien, mon chéri. On ne se dit pas, tu sais pas parler ou quoi? Marc Lionel qui lui dit ça. Ah, ça y est, il pleure. Il pleure. Ah, c'est super. Ah, regardez. Il s'est entraîné le matin. Dans cette pièce trône désormais une cuisine entièrement équipée et fonctionnelle. Là aussi, tout a été offert. Mais à chaque fois, c'est les touches de couleur, parce qu'en fait, tu fais la même chose. Et il n'y aurait pas ces trucs de rouge, et qu'en fait, c'était aussi en bois. Mais ça serait trop neutre, mais en même temps, voilà. Équipé et fonctionnel. Là aussi, tout a été offert par des entreprises locales et installé par des bénévoles. C'est sympa, le petit bar. Tous les bénévoles, tous les artisans. Ça vous fait plaisir. Il est en descente. Ça me touche beaucoup. Soyez bien avec vos enfants. Je sais. Vous ayez de la place. C'est l'année un peu. Oui, oui, d'accord, Marc. Et oui, ok. Je sais où ça me semble toujours. Je vais continuer à vous fixer encore un peu, d'accord. Natacha va maintenant découvrir sa nouvelle salle de bain. La salle de bain, elle est immense. Tout a été aménagé pour faire en sorte que la famille s'y sente bien. Elle est magnifique.
Elle est chouette, hein. Ah ouais. Regardez. La douche à l'italienne, de plein pied. Ah, c'est sympa, ça. Ce mural. Ça, c'est sympa. Je suis super contente. Ça vous plaît ? Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Avant de découvrir toutes les chambres de cette maison, direction le nouveau jardin où les bénévoles ont voulu laisser des petits messages à la famille. Oh. On t'adore, bisous. À vous cinq, Lionel, Céline, Théo, Manon, Lignon. Bah, je pense qu'il y a plein de personnes qui pensent à nous. Bah, c'est de l'amour. Ils ne sont pas beaucoup à être venus, mais... Ils m'ont tous donné la main. Je leur ai fait un double check. Vous épauler. Alors oui, tu as raison. Tout ça, c'est de l'amour. Avec un grand A. Et voilà comment ce petit a appris l'amour. Grâce à Marc Emmanuel. Retour dans la maison, ou au premier étage, la visite des chambres démarre avec celle de Sharon, 11 ans. Les dauphins ! Elle aura désormais tout l'espace et le confort nécessaires pour une petite fille de son âge. Tu seras bien ici ? Les dauphins et les princesses. Je suis super heureuse, merci à tout le monde. Et derrière une paroi amovible... Waouh ! C'est chez toi, mon gars. Jarod aussi aura sa chambre. Ah mais d'accord, je crois que c'était un truc stylé, mais c'est juste qu'en fait, c'est un truc qui fait croire qu'ils ont chacun une chambre différente, mais en fait, ils ont la même. Mais c'est malin. La chambre dont il a toujours rêvé. Bah, ça me plaît. Nickel. C'est au tour de Julien, 13 ans, de découvrir sa nouvelle chambre. La chambre moto. Là aussi, tout a été réalisé pour répondre à ses attentes. C'est un peu vide. Vous voyez ce qu'il faut ? Il y a un lit. C'est magnifique. Un petit bureau. Avant, j'invitais pas trop de copains, mais maintenant... C'est vrai que là-dedans... Avec une belle chambre, je pourrais peut-être en inviter un peu plus souvent. C'est superbe ce qu'ils font. Et ils arrivent à rendre heureux n'importe qui. La PS5. C'est vrai qu'il a un lit double quand même. Non. N'importe qui font. Il a un lit double quand même. C'est ça. Pour un gamin. Maude, l'aînée, a elle aussi droit à une nouvelle chambre. À 14 ans, cette adolescente. Mon premier lit double, je l'ai eu, j'avais plus de 25 ans quoi. Enfin pouvoir se sentir chez elle dans cet espace aux couleurs très vives. C'est trop beau. C'est merveilleux. C'est un lit solidaire. Merci. Tous les enfants ont enfin un endroit à eux. Il en est de même pour leur maman Natacha. Ah, la chambre conjugale. Ah mais non, bah non, bah oui. Non, putain, c'était même pas une vanne fait exprès, putain, je suis vraiment désolé, putain. Oh là là. Ah oh, merde, le dérapage du streamer. Bah non, c'est vrai, elle est... Oui, bah non. Bah oui. Pardon, pardon, pardon. J'avais oublié. Aux couleurs orientales. Mais c'est marrant ce truc de mettre des meubles sur les coins comme ça en. J'essaye de changer de sujet. Rien à dire. J'ai pas fait exprès, j'avais déjà oublié. Mais c'est parce qu'il y a toujours un couple avec qui a eu un accident et tout. Je suis fier pour mes enfants au moins qu'ils ont quelque chose de confortable, de douillet. Et moi aussi. J'espère qu'on repartira sur une bonne base tous les cinq. Et pour prolonger la magie de cette soirée, les bénévoles sont là pour la plupart. Ils ne connaissent pas encore la famille. Moi aussi, je suis un motard, je suis un fan de moto comme vous. J'espère avoir le permis plus tard, comme ça, si on se croise, on pourra... Il lève le casque. T'as plein de visages que l'on connaît. Mais beaucoup de personnes que je connais pas aussi. Je les remercie de tout mon cœur. On va essayer de repartir sur des nouvelles bases, tous les cinq. Merci. Merci à tous les. On vous aime.
reste comme ça. À bientôt la Sarthe. Toujours cette violence de l'émission qui nous frappe d'un coup la fin comme ça. Eh ben. Alors. C'est comme ça. Alors, ceux qui ne connaissaient pas, est-ce qu'il y en avait qui n'avaient jamais vu Marc-Emmanuel? Est-ce que vous avez découvert Marc-Emmanuel ce soir? Oui. Moi, et c'était incroyable. Dans mes veines, Marc-Em. En fait, je connaissais, tu vois, là, c'est ça. C'est, ah, mais je suis sûr, si vous dites connaissez pas en voyant, ça va vous rappeler, vous avez sûrement déjà vu, en fait. Vu il y a très longtemps, le plaisir de la redécouverte, c'est ça. C'est ça. Jamais vu, c'est une terrible découverte. Mais c'est Marc-Em qui porte tout, hein. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'au fur et à mesure d'épisodes, eh ben, il y en a quand même, après, on va le voir de moins en moins, puis il a plus ou moins été un peu évincé de l'émission. C'est un peu triste. Il n'est plus du tout dans la télé, hein, contrairement à Laurence Boccolini qu'on a vu juste avant. On n'avait pas un équivalent en Belgique, non. On voyait juste ça. Nous, on allait en Belgique, enfin, quand c'était l'époque de la télé, je me dis que c'est toujours le cas maintenant, je ne regarde plus la télé, mais on avait les chaînes françaises. Hein. Donc... on voyait tout ça. Arthur, pareil. Arthur, je regardais, j'étais ado. Pourquoi il était évincé? Non, mais c'est pas clair, je ne sais pas, mais... On avait vu, à l'époque, on en regardait d'autres, on voyait qu'il y avait de plus en plus d'autres personnages qui étaient plus là, il apparaissait de moins en moins. Il y en a où il apparaissait un peu moins. Et un jour, il n'a plus été là et l'émission a quand même continué, il me semble. C'est Julien Courbet qui a pris. Non, mais par contre, l'émission est produite par Julien Courbet, il est partout. Julien Courbet est partout. C'est vrai qu'il y a un lien avec Julien Courbet dans les trois émissions de ce soir. Hein. Il a produit Tous Ensemble, il a ensuite présenté Le Maillon Faible et il a ensuite présenté Les Boîtes. Oui, maintenant, l'émission n'existe plus. Par contre, Tous Ensemble, ça n'existe plus. Dit Tous pour un, ça n'existe plus. Marc-Em va bosser avec Arthur sur TF1 True Story. Quoi, là quoi, non. Attends, à chaque fois, il y a une nouvelle actu, c'est vrai? Marc-Emmanuel. Arthur. TF1, vous dites des fake news? Mais non! Non mais c'est vieux ça, c'est un truc de 2007, 2017. Marc-Emmanuel, il revient à la télé grâce à Arthur. Il y a 2 ans, Marc-Emmanuel a arrêté la télévision après de vives polémiques autour de son émission Tous Ensemble. Voilà, en fait l'émission s'est arrêtée parce que, voilà, il y avait plein de gens dont la maison était faite, bah après la maison se cassait la gueule et c'était presque pire que la situation initiale parce que du coup les gens vivaient dedans, mais en fait il y a rien qui tenait. Et il a mal supporté toutes ces polémiques et il a arrêté. L'heure du comeback a sonné. Marc-Emmanuel Dufour, le célèbre animateur au grand cœur de TF1, revient à la télévision le 25 août, en prime time, dans un nouveau programme présenté par Arthur, la Dream Company. Mais attendez, mais c'était en 2017, donc ça existe, ça a existé. La Dream Company. Qu'est-ce que c'est? La Dream Company. La Dream Company. TF1. La Dream Company. Il y a que des bouts de promo, mais il n'y a pas... Qu'est-ce que c'était la Dream Company? Ah, par contre, j'ai une vidéo. C'est complexe, mais on dirait que c'est une vidéo hommage à Marc-Emmanuel.
Marc Emmanuel, il revient à la télé grâce à Arthur. Les porte-bonheur d'Arthur. L'ex-présentateur de Tous Ensemble fait son grand retour. C'est un petit peu triste parce que du coup, disparu depuis 2015, il est revenu, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est du coup cette Dream Company ? J'ai suivi les yeux fermés. Notre accusation avait plus cette fois-ci sur les Marc-Emmanuel Dufour, les bénévoles et les artisans ayant travaillé sur un tournage dans les Deux-Sèvres avaient confié au Courrier de l'Est que l'amateur avait été odieux, provoquant des vives tensions. Le chantier avait même été arrêté car une partie des ouvriers n'avait pas supporté ses remarques et son manque d'application. Voilà, ça, on en a lu plein d'articles comme ça, effectivement, qu'il était odieux avec les bénévoles et que après bah, les maisons, même les gens, les personnes qui étaient... La Dream Company. Pour découvrir la mission que Arthur m'a confiée et le rêve que je vais exaucer, je vous donne rendez-vous le vendredi 25 août sur TF1 dans la Dream Company. Ça avait l'air d'être un truc un peu one-shot. Attendez, on va creuser un petit peu avant de mettre les boîtes. On va creuser un peu avant de mettre les boîtes. Dream Company, TF1. Il n'y a pas un wiki, il n'y a pas un aperçu. Regardez la série. En tout cas, il n'y a pas des trucs en entier. Il n'y a pas des trucs en entier à voir, quoi. TF1 replay. C'est compliqué. Sommaire. Il y a Valérie Amido, il y a Marc Emmanuel. Poursuivre leur mission à travers le pays. Avec Arthur aux commandes, chacun d'entre eux s'efforce de relever avec brio les défis qui lui ont été assignés, dont ils ne savaient rien. Les anonymes qui ont secrètement inscrit leurs proches pour leur permettre de participer à l'émission suivent de près, très près les péripéties des agents de la Dream Company. Parmi les téléspectateurs sélectionnés, des grands-parents qui n'ont encore jamais eu l'occasion de voyager, ainsi qu'une mère prête à tout pour se faire pardonner de sa fille. C'est toujours flou, c'est quoi ? C'est des défis, c'est des... Ils aident des gens de manière... Il y a plein de... C'est quoi ? C'est pas clair, hein ? La Dream Company, émission en replay. Ah. Cette vidéo a plus de 6 mois et ne pourrait ne pas être disponible. Facturons votre émission. Attendez, je suis en train d'ouvrir des trucs, là, je comprends rien. Ah non, c'est plus disponible. C'est plus disponible. On peut pas retrouver ça sur MyTF1. Dream Company. Non, bah non. C'est trop vieux. C'est trop vieux, ça n'a pas été réupload sur YouTube. Ça n'a pas dû durer longtemps, hein. Y a même pas de page Wikipédia. Je suis curieux, là. À chaque fois, on apprend des nouvelles choses. Dream Company, Wikipédia. Non, non. Ça a l'air d'être une émission qui n'a pas duré très longtemps. C'est un peu flou. Si vous souhaitez réaliser le vœu le plus cher, le désir le plus fou de l'un de vos proches, je vous donne l'occasion de vivre une expérience inoubliable. Quel que soit ce rêve, la Dream Company le réalisera. Pour réaliser le rêve d'un proche, inscrivez-vous sur MyTF1. Ok, donc c'était ça le concept. Bah, on pourra creuser et voir si on en trouve, mais... Je t'ai trouvé le lien pour la Dream Company, je t'envoie ça, le lien sur Insta. Alors peut-être plus sur le Discord, comme ça je peux l'ouvrir ici. Kitiscat, c'est bien aimable. T'as quoi, t'as trouvé un lien où on peut en regarder un, hein. Ça n'a jamais été diffusé, bah je sais pas, en tout cas il y a des vidéos promotionnelles. Mais si je me souviens, genre faire voler un enfant malade en chasseur. Mais donc Marquem, Courbet et Arthur sont tous connectés, tous ensemble. Eh oui, eh oui. C'est à télécharger. Ok. Bah écoute, mets ça sur le Discord, Kitiscat, et je regarderai plus dans mon coin, machin. On va pas, à mon avis, à pouvoir regarder ça ce soir. Là, on va regarder les boîtes, ce qui est déjà minuit 24. Et là, c'était le trio Maillon Faible, Marc-Emmanuel, les boîtes. On va se mater une boîte. Et ce sera bien pour ce soir. Et puis, j'essaierai de fouiller. Il n'y a qu'un épisode, l'émission a coulé direct. Ah merde, il n'y a qu'un épisode. C'est dingue, ça.
Mais on ira quand même voir, parce que si c'est une occasion de revoir Marc-Emmanuel, la seule autre fois où on a pu le revoir, c'était dans le Fort Boyard où il était candidat, on l'avait regardé.